Bonjour à toi, cher cycliste. Dans cette capsule, nous allons parler de la physiologie cycliste. Pour bien comprendre la physiologie cycliste, nous allons référer à plusieurs notions vues dans la capsule biomécanique de pédalage. Une des choses qu'on a déjà discuté dans la partie précédente, c'était que la cadence, au fur et à mesure que la cadence augmente, la demande en oxygène augmente. Donc, plus la cadence est élevée, plus on a besoin d'oxygène pour pédaler. Tel qu'on l'a vu dans le module précédent, les cadences autour de 90 et 100 RPM permettent de minimiser la fatigue musculaire ainsi que les moments de force périphérique. C'est donc dire que ces cadences sont le plus souvent adoptées par les cyclistes les plus expérimentés puisqu'elles permettent de réduire les blessures et de minimiser finalement la fatigue musculaire chez nos cyclistes. Autre point important pour bien comprendre l'effet physiologique, comme on l'a déjà dit, c'est que lorsque la cadence augmente, le moment de force diminue. Donc, on peut penser rapidement comme ça qu'il y a des cyclistes qui ont des douleurs aux pieds puis qui ont tendance à adopter une cadence autour de 70 RPM. Bien, encore une fois, au niveau de l'éducation, de leur recommander d'augmenter leur cadence moyenne autour de 90 RPM sera l'un des conseils les plus simples et les plus efficaces à appliquer pour le ou la dite cycliste avec des problèmes aux pieds, par exemple au niveau de l'appui de sa pédale, si elle adopte des cadences trop basses. C'est votre devoir, en tant que clinicien, de leur donner de l'éducation puis les conseils nécessaires afin qu'ils puissent tranquillement progresser vers une cadence plus élevée. Mais en contrepartie, il faut se rappeler que c'est normal puisque peut-être que la capacité, par exemple, aérobique, hein, le VO2, n'est pas encore assez élevée pour qu'un cycliste peu expérimenté puisse soutenir une cadence très élevée qui augmente la demande en O2. Donc, rappelez-vous de ça lorsque vous faites vos conseils en clinique au niveau de la physiologie là, du pédalage cycliste. Pour compléter notre capsule sur la physiologie cycliste, il est important de réviser finalement les résistances auxquelles le cycliste fait face pour réussir à avancer lorsqu'il fait du vélo à l'extérieur. Donc la résistance de l'air, okay? La résistance de l'air, c'est le produit d'une équation où la vitesse est au carré. C'est donc dire que notre résistance à l'air augmente de manière exponentielle lorsque la vitesse augmente. On sait très bien qu'au-dessus de 30 km/h, par exemple, plus de 85% de notre résistance provient de l'air. Et lorsqu'on dépasse les 35, 36, 37, 38 km/h, on monte très rapidement à 95% de résistance de l'air sur une surface lisse comme la route. Donc, c'est très important de considérer l'aérodynamisme chez un cycliste qui a des vitesses moyennes au-dessus de 35 km/h. Je tiens à faire cette parenthèse puisque nos cyclistes débutants, qui sont la majorité de nos patients en clinique, ont des vitesses moyennes en deçà de 30 km/h. C'est donc dire que ces gens-là devraient prioriser, par exemple, l'entraînement, le positionnement, le confort, tout ça avant d'avoir comme objectif d'augmenter leur vitesse moyenne afin de prendre de l'expérience au fil des années et finalement atteindre des vitesses moyennes qui sont peut-être susceptibles d'être influencées en grande partie par l'aérodynamisme, donc de diminuer la résistance à l'air. Bref, faites preuve de jugement clinique auprès de vos patients lorsque vous leur conseillez des positions aérodynamiques qui pourraient à l'usure, leur a occasionné des blessures de surutilisation. C'est pas tout le monde qui a besoin d'être aérodynamique. On peut peut-être être aérodynamique 5 minutes pendant notre sortie cycliste de 2 heures, puis c'est bien correct. Mais ça devrait être que très rarement l'objectif de nos positionnements cyclistes en clinique avec vos patients. Ensuite, l'autre résistance, ben c'est sûr, c'est la gravité. Hein. Lorsqu'on a du dénivelé, la résistance de la gravité va être en fonction du degré d'inclinaison de la pente et du poids du cycliste. Il y a aussi l'inertie lors des changements de vitesse, lorsqu'on pense à des cyclistes, des sprinteurs qui vont réussir à sortir leur dernière cartouche dans les derniers 100 mètres, dans les derniers 500 mètres d'une course cycliste sur piste. Donc, ces cyclistes-là vont devoir vaincre la résistance à l'air et vont aussi devoir vaincre la force d'inertie pour se mettre en mouvement et accélérer. La résistance de roulement au niveau des pneus, ben ça, je pense que ça a fait beaucoup de bruit hein, dans les dernières années. Donc, la résistance, maintenant, on sait qu'il y a un petit peu plus d'économie lorsqu'on a des pneus
un petit peu plus large avec moins de pression. Ça continue, l'idée continue de faire son chemin maintenant sur le Pro Tour. Donc, on voit des diamètres, des largeurs de pneus autour de 25, 28 mm avec des pressions maintenant qui sont bien en deçà de 100 PSI, étant donné l'économie et le confort qu'on gagne à rouler à cette pression-là et cette largeur de pneus-là. Et finalement, il y a la friction déroulement. Pour tout le monde qui entretient mal son vélo, ça devient peut-être une des résistances prédominantes dans leur pédalage, mais il reste que vous devez avoir, il y a toujours une force au niveau déroulement, que ce soit dans le boîtier de pédalier, dans les moyeux des roues. Donc, vous avez une force à dégager pour vaincre la résistance au roulement chez nos cyclistes. Donc, j'espère que cette capsule sur la physiologie cycliste vous a intéressé. J'espère aussi que vous l'avez bien mis en relation avec la capsule et le module sur la biomécanique cycliste, puisque c'est vraiment deux aspects, deux thèmes indissociables là, de la pratique cycliste. Dernière chose à se rappeler, c'est que les plus grands contributeurs, puis je vais faire le lien là, avec nos prochains modules, c'est que les plus grands contributeurs, on s'en rappelle, c'est nos quadriceps et nos fessiers. Lorsqu'on retrouve des cyclistes en clinique, c'est ma petite ouverture là, que je suis en train de vous faire, lorsqu'on retrouve des cyclistes en clinique qui ont un manque de force au niveau des fessiers, plus souvent qu'autrement, les cyclistes n'ont pas de manque de force ou de coordination au niveau du quadriceps, ont principalement des problèmes de recrutement au niveau des fessiers, au niveau du timing de contraction. Donc, c'est vraiment important de se rappeler que nos plus grands contributeurs dans nos muscles de la cuisse pour le cycliste, c'est le quadriceps puis le fessier. Et c'est ces muscles-là qui devraient faire l'objet de votre attention et de votre analyse auprès de votre cycliste, autant en dehors du vélo que sur le vélo, que lorsque vous allez lui donner une prescription d'exercice, par exemple, pour minimiser le risque de blessure de surutilisation. Plus souvent qu'autrement, en clinique, on va viser là, un renforcement des fessiers. Ça fait peut-être l'objet de 30% de notre clientèle qui va ressortir de la clinique avec des exercices de renforcement au niveau des fessiers. Donc, fin de ma parenthèse. Conclusion de notre capsule sur la physiologie cycliste. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la discussion. Et puis, on va enchaîner avec vraiment là, d'autres aspects du positionnement, tels que la goniométrie. On va se mettre un petit peu plus « hands-on », comme on dit en anglais, donc un peu plus pratique dans les prochains modules. Bientôt!